Attention avec Valère Pollet qui va peut-être se mettre en position, qui tente une frappe enroulée, qui passe à côté du but de Simon Ponnemet. C'était une belle inspiration. Un ballon pour Henry, bon là, ça, qui rentre dans la surface de réparation, qui va pouvoir centrer. Attention, avec ce ballon qui est contré. Oh, est-ce qu'il y avait une main? Oui, c'est un pénalty. Il y avait une main et ça sera un pénalty pour une faute, une main de... Ngosso, il me semble. De Ngosso, oui. Qui vient de siffler, attention, Patrick Hetchimi, qui prend un contre-pied. Louis Souchou, et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score de la part de Chambly. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour cette équipe de QRM. Et mettre le pied sur le ballon et créer les décalages. Attention, Lucas Dory. Denis Ayamo, Lucas Dory. Lucas Dory qui s'essaye du côté droit. Hein. Il s'essaye du pied droit. C'est pas son meilleur pied. Bon, du côté ballon droit de Steve Chamal. Steve Chamal qui rentre dans la surface, qui va pouvoir frapper. Ouh. Et il faut une parade. Une parade de Simon Ponnemet qui met le ballon en corner. Hetchimi qui peut se retourner, il cherche une solution, il la trouve avec Henry. Hetchimi là qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe à côté du but de Louis Souchou. Mais c'est presque pas, ça a presque paru trop facile là pour les joueurs de Chambly. Trop de facile Chambly, lui. Hein. Que Lucas Dory là sur le côté droit, Lucas Dory qui se met sur son bon pied, qui frappe et une nouvelle fois, Simon Ponnemet est obligé de sortir un arrêt. Et ça sera donc un nouveau corner. Patrick Hetchimi. Il y a une solution encore côté droit, attention avec ce ballon côté droit. Bon, on joue en deux temps, il y a une position d'hors-jeu. Une position de hors-jeu de la part de Guillaume Henry. Un beau lieu pour Hetchimi. Hetchimi qui va frapper. Ah, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à enrouler sa frappe et est arrivé directement dans les gants de Louis Souchou. Lucas Dory, un ballon au point de pénalty. Ah, attention avec la frappe. La frappe et l'arrêt. Oh, la frappe de Guy Ngosso et l'arrêt de Simon Ponnemet. Et c'est Guy Ngosso. Non, Guy Ngosso qui vient s'échapper ce ballon. Patrick Hetchimi qui rentre dans la surface qui peut servir Henry. Et la frappe qui passe au-dessus du but de Louis Souchou. Avec Toffli, Chamal encore. Chamal face à trois joueurs et qui peut frapper. Ouh. Et qui frappe au-dessus, juste au-dessus du but de Simon Ponnemet. Belle frappe de Chamal. Attention, toujours ce pressing dans l'entrejeu. Guillaume Henry, Henry qui va pouvoir frapper, non, qui préfère servir Hetchimi. Hetchimi qui bute. Super barré. Qui bute sur Louis Souchou. Où il y a Jonathan Nanizayamo. Voici Nanizayamo qui était cherché de la tête. Attention. Le ballon qui passe à côté du but de Simon Ponnemet. C'était un ballon